Je me suis bien fait comprendre, VG Gras. La prochaine fois que tu me donnes ces croquettes éclatées, je t'attrape par ton sang gros cul et je te fous dans le freezer. Allez, bobonne à la cuisine et oublie pas le sel. Ah, putain, oui, c'est bon, j'y vais, Kira, mais tu veux quoi au final? J'en sais rien, pourvu que ce soit un truc de riche. Putain, les riches, elle est marrante, elle, qu'est-ce que tu veux? Non, mais il m'a prise pour un chien à me faire bouffer des croquettes, lui. Sa sœur fait 800 kilos, pourtant elle mange pas que du sein doux. Alors, pour cette recette, on a besoin d'une entrecôte, de 3 œufs, un peu d'huile d'olive. Non, mais c'est vrai quoi, j'ai un certain standing et une grâce à toute épreuve. Je ne peux décemment pas faire un repas en dessous de 1 200 €. Oh, et ce canapé, horrible. Du romarin et un bloc de foie gras. Mais comme j'arrête tout ça, voilà. Il en met du temps, con comme il est, il doit chercher l'interrupteur sur les couteaux. Non d'un troufion, c'est pas trop tôt, t'as cherché ou pêché le bœuf ou quoi? Voilà, mademoiselle. Ok, tout ça pour ça, je vais le bouffer quand même, mais c'est bien parce qu'il y a des gens dans le monde qui ont rien à manger et que j'ai pas envie de partager avec eux.